Hello mes licornes, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où nous allons parler de rares de packs, de drip, de pixels, enfin vraiment tout ce que vous voulez. Du coup voilà, donc j'espère en tout cas que ma vidéo va vous plaire et comme vous avez pu le voir dans le titre, oui c'est un glitch, mais franchement ce glitch il est juste génialissime car les drips vous les avez dans votre garde-robe et puis bah si vous les renvoyez etc. bah ça fait augmenter vos fame et puis voilà. Donc juste avant de commencer cette vidéo, pour faire ce glitch, donc il faut bien être sur PC et non sur Puffin. Donc évitez de me demander en commentaire, oui est-ce que ça marche sur Puffin, etc. Ça ne marchera pas, donc c'est sur vrai PC du coup. Donc voilà, donc, pour ceux qui n'ont pas de PC, je suis vraiment désolée pour vous, mais c'est vrai qu'avec le PC on peut faire beaucoup plus de choses, etc. Parce que c'est avec des logiciels, tatatata, donc voilà. Et également, il faut avoir le logiciel Cheat Engine. Donc, j'ai pas le lien de ce logiciel. Je suis vraiment, vraiment désolée. Mais vous tapez Cheat Engine sur Google et normalement, bah, vous le trouvez du coup. Et voilà. Donc, première étape, nous devons aller sur Blockstar Planet et nous créer un compte. Donc là, je vais me créer un compte vite fait. Hein. Je crois que c'est ouais, le RDP 50, il marche plus parce que j'ai fait plus de 50 rares de packs. Donc comptez 50 x 4 parce que vous n'en avez pas qu'un des rares de pack par compte, j'ai envie de vous dire. Enfin, quand vous créez un compte, vous avez 4 rares de pack à la fois et différentes couleurs du coup. Vu que vous êtes habillé de. Enfin, de toute façon, je vous montrerai juste après. Hein. Ça sert à rien que je parle. Mais du coup, pour ceux qui veulent prendre le compte, bah allez-y parce que de toute façon, bah, il n'y aura plus rien dessus parce que je vais me renvoyer les RDP, etc. Donc, il n'y aura plus rien dessus. Donc, ensuite, vous cliquez sur OK. Voilà. Donc ça sert à rien de se faire passer pour moi sur ce compte ou voilà, car tout simplement, bah ça ne, enfin à partir de cette vidéo du coup, ça ne sera plus mon compte entre guillemets. Donc voilà, vous pouvez prendre, vous pouvez faire ce que vous voulez avec. Même si ça sert un peu à rien de le prendre, mais bon. Du coup voilà, donc là vous vous arrêtez à cette page, donc pas besoin d'aller plus loin, etc. Et là nous allons aller sur Movie Star Planet qui bug en ce moment même. Bah oui. Du coup je vous retrouve quand, bah non, en fait j'ai même pas eu besoin de vous retrouver. Donc ensuite vous cliquez, bah enfin vous mettez Lorine RDP50, enfin votre compte. Et du coup voilà, enfin vous connectez en gros. Du coup désolée d'avoir coupé parce que j'ai éternué, donc c'est un peu casse-oreille, même si bah, quand j'éternue je fais pas de bruit. Enfin, bref, on va pas faire un débat sur ça. Donc ensuite c'est à partir de ce moment-là que vraiment c'est le plus compliqué, j'ai envie de vous dire, parce qu'il y a plusieurs personnes qui viennent me voir sur MSFR me demandant de leur offrir un drip, etc. parce qu'ils n'arrivent pas à faire le glitch. Mais tout simplement, j'espère que moi je vais bien vous expliquer parce que je peux pas vous expliquer mieux que ça en tout cas. Donc vous prenez la petite Movie Star, enfin vous créez un compte Fi. Par contre, à ce moment-là, vous respectez bien ces règles. Donc, vous devez mettre exactement les mêmes vêtements que moi. Donc là, vous mettez la petite coiffe avec les tresses, la robe bleue, la jupe rouge et les petites baskets. Donc après, bien évidemment, vous pouvez changer le coloris des baskets, etc. Enfin, vous pouvez changer la couleur. Perso, je le fais pas, mais au pire, on va le faire vite fait. Je mets sur rose et puis je vais changer les couleurs. Du coup voilà, donc j'ai changé les petites couleurs, je pense qu'on va se faire une robe drip pour voir, bah du coup voilà. Donc ensuite vous ne cliquez surtout pas sur OK fini parce que ça c'est la boulette que je fais à chaque fois. Mais bon, donc là vous allez bien cliquer sur les trois petits points qui sont juste ici. Vous allez mettre plus d'outils gestionnaire de tâches. Donc là vous pouvez mettre sûrement pour l'instant, donc ça on s'occupe pas, enfin on va s'occuper de ça dans quelques secondes. Donc ensuite vous allez sur Cheat Engine pardon et vous mettez le petit ordinateur. Donc oui, enfin bon, il faut attendre un petit peu parce que ça bug de fou vraiment. Donc ouais. Voilà, donc là ça va faire le petit tourniquet. Tourniquet, qu'est-ce que je raconte moi? Enfin ça va tourner etc. et là voilà. Donc quand vous êtes là, vous mettez bien sur process et pas sur application. Donc là, vous cliquez sur process et vous mettez enfin n'importe quel truc où s'affiche un Google à côté. Donc vous pouvez prendre celui-là aussi. Donc voilà et vous mettez open. Donc là, il faut attendre un petit peu parce que moi je bug. Donc là, ça, la barre Valou va s'ouvrir. Donc ensuite, vous remettez sur moins et là, on va aller voir la barre des tâches, enfin le gestionnaire de tâches. Donc vous allez tout en bas et là vous avez sur plugin Shockwave Flash. Donc là il y a un numéro tout ici. Donc mon numéro à moi c'est ça. Mais du coup il faut bien votre numéro à vous. Donc 119 88, je retiens parce que moi je suis
Enfin, je retiens jamais rien. Et vous cliquez, enfin, vous le mettez ici. Ensuite, vous mettez X, donc vous cochez. Vous mettez l'ordinateur juste ici et puis vous trouvez le numéro qui est là, du coup, avec un petit Google à côté. Donc, je vais vite fait vous montrer si je le trouve parce que ça va être compliqué quand même. Ah bah, il est juste ici. Donc là, c'est exactement le même numéro qui est là et il y a bien le Google à côté. Donc ensuite, vous mettez Open. Donc bref, une fois que vous avez fait ça, vous pouvez enlever, donc vous pouvez enlever X et puis enlever tout. Et ensuite, bah, vous allez exactement mettre les mêmes codes affichés à l'écran que moi. Donc il y a des codes qui seront affichés à l'écran. Donc bah, c'est parti. Du coup, vous mettez le premier code qui est 21301 et puis mettez First Scan. Donc là, il y a le petit chargement en vert qui va se... Voilà, donc j'ai cru que ça allait encore bugger. Et ensuite, vous cliquez sur n'importe quel ou tout simplement vous mettez Ctrl Alt ou tout simplement vous pouvez aussi mettre Ctrl et puis cliquer sur tout, mais ça va être très très long. Donc perso, je fais Ctrl Alt, ça va plus vite. Ensuite, vous mettez la petite flèche rouge, vous cliquez et vous enlevez ce qu'il y a dans la barre value. Donc ensuite, vous allez mettre le deuxième code qui est affiché à l'écran. Donc c'est 21850. Donc là vous mettez nuit scan et fear scan. Donc là ça va un peu plus vite parce que du coup il a compris que je faisais des trucs. Et ensuite vous remettez, enfin vous me remettez Ctrl Alt comme ça et vous mettez la petite flèche rouge. Ah oui, au passage du coup cette vidéo bah, je l'avais vue sur des chaînes américaines en premier et ensuite bah, du coup expliquée par Camilla Bonjour. Donc en français du coup. Et ensuite, bah, vu qu'en fait, avec la technique de Camilla Bonjour, bah, c'est un peu... Enfin, c'est pas compliqué, pas du tout. Mais du coup, ça marchait qu'une fois, en fait. Bah, ça marchait que pour les cheveux brads. Et puis, quand j'ai essayé les cheveux brads une deuxième fois, ou la robe brads et tout, bah, ça marchait plus du tout. Donc, j'étais un peu déçue, etc. Donc après, bah, il y a la vidéo de Jim MSP qui est sortie. Et grâce à lui, bah, j'ai très vite comprise. Donc ensuite vous mettez le code affiché à l'écran, donc 20842, nu scan et fear scan. Donc là vous allez faire CTRL A, pardon. CTRL A et puis vous remettez la petite flèche rouge. Et le dernier code entre guillemets parce qu'il y a encore un code après, mais vous allez voir, ça c'est le code pour le rare de pack. Donc vous mettez 21945. Vous mettez nu scan, ça a bugué. Je le retrouve quand ça... Ah non, c'est bon. Nu scan, fear scan, et ensuite vous cliquez et vous mettez CTRL A et vous mettez la petite flèche en rouge. Une fois là, vous n'avez plus de code à rentrer, donc pas besoin d'enlever, etc. Même si bon, ça sert à rien, mais bon, vous faites comme vous voulez. Mais perso, bon, je fais comme ça. Voilà. Donc ensuite, vous cliquez sur n'importe quel truc ici et vous mettez encore CTRL A. Donc ça va tout sélectionner. Ensuite, vous faites un clic droit. Et vous allez tout en haut, change record. Ensuite, vous avez survalue. Et là, il y aura un code à rentrer. Donc là, voilà. Donc là, je vais aller voir quelques codes sur YouTube. Et puis, enfin, je pense que je vais prendre le code de la robe Pixel. Du coup, je vous retrouve 2 secondes après. Ok, du coup, j'ai un code. Donc, c'est 25499. Donc, ça, c'est le code pour la coiffure du pack actuel, normalement. Donc, attendez, je vais juste vérifier une dernière fois. Oui, du coup, c'est bien ça. Donc, on va mettre OK. Là, on met sur moi et puis on va mettre OK fini pour cette fois. Ah oui, mince! Et je voulais faire la robe pixel, du coup, bah, ça va me faire des couleurs grave chelou. C'est pas grave, c'est pas grave. Mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? C'est pas grave parce que du coup, je voulais avoir une robe blanche, par exemple, une robe pixel blanche, etc. Mais c'est pas grave. Donc là, vous allez avoir une autre musique qui va arriver, etc. Et attention, what? Mais non, c'est pas ça. Pourquoi à chaque fois je me trompe? Ben non, c'était bien la coiffure. Attendez, j'arrive. Ah bah du coup, je suis partie voir un code, mais je crois que la fille, en fait, elle a inversé le truc parce que je me suis dit, mais non, c'est pas censé faire ça. Mais bref, bref, bref. Du coup, voilà, donc pour ceux qui veulent bah, la robe du pack actuel, bah, je vous la donne. Hein, écoutez, prenez le compte. Ah, il y a Pixie qui m'a vu, hein. MDR. Ah oui, d'ailleurs, on peut aussi avoir les vêtements de Pixie Star, mais dans notre garde-robe, genre c'est grave.
C'est grave bien, enfin je trouve ça trop trop cool. Mais du coup voilà, donc j'aurais pu avoir le pixel dans cette couleur. Bon, la robe elle est un petit peu chelou comme ça parce que bah c'est les couleurs que j'ai choisies, etc. Mais bref, en tout cas j'espère que ma vidéo vous aura plu. Sinon bah du coup pour les personnes qui veulent prendre bah, du coup les robes de ce pack, bah n'hésitez surtout pas, hein, parce que du coup, moi je les ai déjà en fois. Enfin là j'ai déjà genre plusieurs couleurs de ce pack, etc. De toute façon je peux le refaire donc. Ça me dérange pas que vous preniez ce compte. Mais du coup, voilà, j'espère que ma vidéo vous aura plu. Car ça fait 4. Non, ça fait 6 fois que je la recommence cette vidéo. Parce que hier, ça voulait vraiment pas. Donc je me suis dit, bon, on va la faire aujourd'hui. Peut-être que ça va être mieux. Mais du coup, voilà. Donc en tout cas, j'espère que ma vidéo vous aura plu. Sinon, moi, je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt. Ciao mes licornes.